Bisous. C'est un cauchemar! Est-ce que là c'est bon? 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Yes! Re-Johan, merci pour ton partage. Merci pour, merci d'être là en tout cas. Petit souci avec Stream Deck. Je sais pas, le micro s'était de nouveau recoupé, le son aussi. Ça a l'air d'être bon, ouais, ça a l'air d'être bon. Ben voilà, c'est parti les amis. On est parti pour souffrir. On va de nouveau réaffronter ce fameux Ménésis. Ah ouais, le coin des douches, ici le cadenas, l'appareil électronique. Et là, il y a le fameux couloir avec un cadenas. Ouais, ok. Bon, je connais un peu hein, cet endroit-là, forcément, pour ceux qui ont fait Resident Evil 2. Voilà. Voilà, il y avait cette fameuse clé bleue que je vais devoir utiliser. Là, on est parti pour souffrir. Hein. Mais c'est pas grave, j'aime bien.
Voilà, je savais pas trop quoi streamer. On souffrir et puis se faire des frayeurs surtout. Voilà. Ah, on a beau dire, il est quand même pas trop mal ce Resident Evil. Un peu déçu de me retrouver ici dans ce commissariat. Comme j'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas fait le 2, bah ça va, ils vont pouvoir de nouveau... On se souvient plus ce qu'il fallait faire ici. Ouais. Je préfère pas. De quoi tu préfères pas? Pourquoi? Ah mais là on n'a pas le code. Je suis en train de réfléchir, le code du canin, je m'en souviens plus vraiment, à moins que ce soit marqué sur l'affiche ici. Je suis en train de réfléchir. Ah, ici il y a une note. Il n'y a pas une note là? Non. Pas l'air d'avoir la note. C'est bon pour le son? Ouais, apparemment oui. Bon, ici on est dans le coin douche. Ouais, d'accord. Apparemment, il faut. Pas s'il faut le mettre là sur ce pan de dynamite. Je sais plus. Tout est nickel. Ben merci. Merci encore une fois, hein, Johan, hein, de ta présence. Et à toi. Ah, je profitais un peu de me reposer là. Et puis j'ai regardé un peu ma femme jouer. Sur Ori, qui a bien avancé d'ailleurs. Non, on va descendre par là. Là, je repars par où j'étais. On va essayer pas... Ne pas avancer trop vite dans les couloirs. Pas prendre trop confiance parce que... Il y aura certainement encore du zombie qui va traîner dans le secteur. Voilà. Là, on a une sauvegarde. Je sais qu'il y a une sauvegarde là. Chambre noire. Coffre à objets. Ouais, ok. Ah ouais, franchement, je sais pas comment elle fait. Moi, j'aurais déjà pété les plombs sur ce jeu-là. Mais je suis persuadé qu'elle va le faire. Hop, hop, hop. Je suis persuadé qu'elle va le finir. Hop, 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 hop. Je m'en souviens plus comment il faut les tuer. Je sais plus comment il faut les tuer. Je sais plus du tout. Je savais qu'il y avait ce genre de monstre là. Étant donné que dans le 2 il y était. Mais là... là ça m'a un peu surpris de voir ça ici. Pas grave, on va y aller. Je m'en souviens plus. Je sais plus comment les tuer ces genres de monstres là. Ah ouais, du coup je reprends ici alors, d'accord. Ouais, franchement, oui, je pense que les femmes sont beaucoup plus tenaces que nous. Hein. Voilà, et puis beaucoup plus patientes. Hein. Voilà. Je pense que au niveau de la patience, il n'y a pas à dire. Une femme, c'est beaucoup plus calme. Hein. Ça reste vraiment, vraiment... vraiment, le pour moi, c'est ça. Hein. Mais bon, moi, à mon avis, ce jeu-là, elle va certainement le finir. Hein. Bah, du coup, elle profite. Hein, c'est tellement rare qu'elle aime... Bah, en plus, je sais qu'elle aime bien les jeux vidéo aussi. Hein. Du coup, elle profite de jouer sur ce jeu, Ori, qui est plutôt pas mal. Oh, regardez, il y a une tête qui dépasse ici. Il y a une tête à travers la porte. Ici. Je sais plus comment les tuer. Est-ce qu'il faut pas tirer dans leur langue? On va essayer pour voir. Ou faut pas faire de bruit. Ah ouais, c'est ça. Faut pas faire de bruit en fait. Je pense que c'est ça. Ah, je sais plus. C'est le bruit qui les attire parce que... Moi aussi je suis têtu. Je baisse pas les bras. Vous l'avez encore vu hier. Hein. J'ai failli tout arrêter, mais je me suis dit, il faut que je le fasse, ce passage avec le Ménésis. J'ai tenu tête. J'ai bien galéré. Mais bah, la patience, ça dépend. Après, hein, tout dépend de la circonstance. Hein. Je sais plus, les amis, comment faut faire.
Moi, je pense que c'est le bruit qui les attire. Il m'a vu, non? Enfin, il m'a vu, non, il ne voit pas. Je sais qu'il voit pas. Mais comment le surprendre, ça, je sais plus. On se souvient plus. On tire dessus pour voir. On essaye. Je sais plus. Je sais plus. Franchement, je sais plus comment les avoir, ceux-là. Il est parti, je pense, hein. Là, il est parti, ah oui. Ah, il m'a touché. Il m'a touché. Donc, on va combiner ça avec là. Avec ça. Ou prendre ça, peut-être. Ah, je vais peut-être prendre ça. Je vais l'utiliser, voilà. Une petite tisane qui va remettre un coup la forme. Je pense qu'il s'est sauvé. Mais ces genres de monstres-là, je sais plus comment les éliminer. Bon, on y va. De toute façon, je suis obligé de retourner par en bas. Utiliser ces fameuses clés bleues. Vous croyez qu'il est encore là? Est-ce qu'il est encore dans les couloirs? Non, ça va. Du moins, je crois. J'entends des drôles de bruits. J'aime pas trop ça. Le bureau. Ah si, ouais, franchement, on dirait qu'il est encore là. J'entends un bruit bizarre, on entend une respiration. Je suis pas du tout rassuré. Je sais pas. Le coffre, on l'avait fait, oui. Donc ce coffre-là, on l'avait fait. Ah, je sais pas. Ou bien c'est parce que c'est Carlos qui respire. Carlos est en pleine panique. Je sais pas. S'il y a des armoires ici, je sais pas tous, peut-être tous ramassés. Ouf. Bon ici, ben ça je sais plus. Ça il faut un badge électronique. Pas très discret l'ouverture des portes. Hein. Ah il est encore dans les couloirs. Hein. Il est encore dans les couloirs, c'est sûr. Pas rassuré là par contre. Hein. Oh, il y en a un là, regardez, il y en a un ici. Oh là 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 là. Oh purée, c'est pas possible. Il y en a un ici, regardez. Comment je fais pour l'avoir, lui, je sais plus. Il te voit pas, mais c'est le bruit qui le déclenche. Le moindre bruit, il te poursuit. Comment je vais faire? Ah, je sais plus. Pas de grenade. Une grenade ici, est-ce que je peux l'utiliser? Je sais pas, je vais tenter, mais c'est peut-être la mort ou pas du tout, je sais pas. Je peux le tuer avec ça. Il a pas aimé. C'est une grenade flash, mais il a pas aimé. Oh, je sais plus comment les mettre au sol là. Pourquoi je sors pas mon pistolet là? J'ai peur. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je tire dessus? Comment je fais? Ouais, mais ils sont flippants ces monstres là. Je suis pas persuadé qu'on sera nombreux, tu sais, Johan, il y a énormément de monde qui le stream en plus. Ah, je suis bloqué. Faut tirer dans la tête ou bien? Vite, avance. Avance. Ah, il me suit! Il me poursuit! Vous êtes sérieux? Comment je fais? Comment je fais pour le tuer? Je vais où? Non, c'est pas cette clé là. Couteau de combat. Non, mais c'est pas ça. Ah, mais c'est mort là. Ouais, c'est foutu. Hein.
T'es foutu là. Bon, je vais faire. Ah, il faut que je reparte dans le bureau ouest. Ouais, faut que je reparte dans ce bureau. Ah non, il n'y a pas de porte là. Là, on n'a pas de porte non plus. Ah, je suis mort, mais ça, c'est à douter. Ma mémoire fait défaut cette fois-ci. Dans le 2, j'ai affronté ce genre de monstre-là. Et dans le 2, je sais plus comment les mettre à terre. Je sais plus. Je sais qu'il faut pas faire de bruit, faut peut-être pas courir. Juste marcher. Je sais plus. Peut-être le tuer avec un couteau. J'en sais rien. Je vous jure, je sais plus. Alors. Faut que je repars ici, dans le hall principal, ici. Pour déjà utiliser ma clé bleue. Non mais je vois pas là, franchement je vois pas comment je vais faire. On va avancer tout doucement. Les balles ne font rien, ça c'est sûr et certain. Les balles ne font rien. Oh là là, ça me fait flipper ce truc. Et si je m'approche comme ça tout doucement, est-ce qu'il va me repérer? Attendez, 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 il est en train de me sentir là, non? Vraiment pas beau, hein. Oh, il va me choper. Merde. Excusez-moi. Il m'a eu. Par où je passe, par où je passe, par où je passe. Co, dépêche-toi. Mais y'a rien, c'est un cul-de-sac ici. C'est un cul-de-sac. Ouh, je suis passé. Ouais, je pense qu'au début, on doit les éviter au début. Allez, on va prendre une petite plante, une petite tisane. Je suis passé. Donc c'est bien ça, faut bien les éviter, pas courir, pas paniquer. Ouais, ça. Là, ici, il faut une clé rouge. Cette clé-là, je ne l'ai pas, j'ai la bleue. Est-ce qu'au niveau santé, c'est bon? Est-ce qu'il faut passer là? Eh, bah c'est ça le... Look at room. Ah bah c'est le code du cadenas ça, CAP. C'est le code du cadenas qui se trouve... qui se trouve où déjà? C'est pas là. Donc j'ai trouvé le code du cadenas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il est encore là, hein. Il est encore là en fait, hein. Là, quelquefois, je regarde s'il n'y a pas des petites indications pour autre chose. Pour d'autres cadenas, éventuellement. Oui. Là, je suis dans la salle des opérations. J'ai fait un sacré détour, par contre. L'ouverture des portes, c'est horrible. Il n'y a personne dans les couloirs. Ah, mais je pense qu'à mon avis, là, je repars en arrière. Hein. Fais le trajet dans l'autre sens. Donc le code du cadenas, ça doit être CAP. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans les tuyaux, non? J'avance tout doucement. On ne court pas surtout.
Et qui ça? Est-ce qu'il est mort, lui? Pourquoi j'arrive pas à, à braquer dessus? Est-ce que c'est de ce délire? Oh, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, là. Il est vraiment mort, là? Est-ce qu'il est vraiment mort? Merci pour le host, Yohan. Mais les alertes host ne fonctionnent pas. Heureusement. Ah, je suis en train de flipper, là. Le truc avec ces monstres-là, je sais que ça m'avait... ça m'avait marqué. Ah, ici, on va pouvoir rattraper la salle de réception. Ça, c'est ce que je voulais, justement. Cette fameuse salle de réception. Et je vais pouvoir sauvegarder. On a une machine à écrire, là. Oh, cette ambiance. Ah ouais, il y avait ça aussi. Mais je me souviens que quand dans le 2... Dans le 2, j'étais passé par ici. Là. Il fallait activer... Vous voulez pas que je rentre, je rentre pas. On était passé par ici, il me semble. Alors l'histoire est un petit peu différente, forcément. On rentre pas dans les mêmes conditions. Ah, il est encore là, lui. T'aurais pu m'aider, hein, mon ami, là. Allez, on va sauvegarder. Et puis, on va utiliser la clé bleue. Et lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'était rapide. Me dis pas que tu t'es chié dessus. Ne dis pas que tu t'es chié dessus, d'accord. Bon, il a fallu qu'il sorte. Hein. Il a fallu qu'il le dise. Alors ici, la clé bleue. C'est ici, cette clé-là. Ah, je peux pas l'utiliser. What? Peut-être pas cette clé-là, alors. C'est la clé comment avec un... Clé de la salle des casiers. Une clé qui permet d'ouvrir la porte. La salle des casiers? Bah, je viens d'y aller. Salle des casiers, elle est là? Non. Je l'avais là. Je suis retourné en arrière. D'accord, super. Je me suis complètement planté. J'ai pensé que la clé bleue était là. Ici. Ici. Mais c'est pas celle-là, c'est pas le même logo en fait. Là, vous voyez? J'étais persuadé que cette clé était là. C'est pas ça, le logo il est comment? C'est celle-là pourtant. Non, c'est pas le même. Bon bah je me suis fait avoir. Je me suis complètement planté, donc salle des casiers, il faut que je retourne de l'autre côté. Le live passe encore. Ouais, ça a l'air d'abat. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je suppose que je viens de dire, mais bon. Ça a l'air d'abat, bon. Avec le stress, je dis, je sors des mots. Bizarre. C'est pas un... Je sais qu'il n'y avait pas un truc avec une statue ici, éventuellement. Même pas, non. Bon. Bon bah écoutez les amis, je me suis fait avoir. Je suis obligé de retourner de l'autre côté. Je me suis fait complètement avoir. J'étais persuadé que... Cette clé était pour les portes du haut. Mais c'est pas ça. Donc on repart en arrière. C'est moi qui ai mal joué. On part dans ces fameux couloirs où il y a le monstre. C'est dommage qu'on peut pas se baisser en fait. La salle des casiers est là-bas. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, ça va.
D'une façon, je mets mon arme en joue, mais ça sert à rien, tu peux pas la tuer. Regardez là. Moi, je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont arriver là-haut. Ça me fait peur. J'ose pas avancer. Ça peut pas être un zombie. Je vous jure, j'ose pas avancer. Ah, regardez là. Il est en train de perdre son sang. Bah, depuis tout à l'heure, il perd du sang. Bah, c'est des litres et des litres de sang qui courent depuis tout à l'heure. Hein. Wow. Non, ça, c'est la clé avec le trèfle. Donc, la salle des casiers. Il faut que je reprenne ici à gauche. À droite, plutôt. Salle d'opération. Ouais. Il y a le petit stress qui arrive quand même là. Il y a l'angoisse qui arrive. Je reprends ici alors. Je prends ici. Oh, j'ai peur là. Il faut que je prenne la porte là. Moi, je suis sûr que le monstre est encore là. Hein. C'est dommage parce que j'ai fait tout le trajet à rien en fait. J'étais persuadé que cette clé là allait par en haut, mais non. La porte ici, il faut que je prenne. Ouais, c'est celle-ci. Est-ce qu'il est encore là? Non. Est-ce qu'il est là? Oh, il est là! Il est ici! Oh purée. Fais pas de bruit surtout. Ne fais pas de bruit. La salle des casiers, c'est ça? Ah, c'est pas possible. Ah si, c'est ça. Ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Mais j'ai pas récupéré de... Il y a des casiers... Je sais qu'il y a des codes à taper ici. Il y a des codes pour ouvrir des casiers qui te permettent d'améliorer ton stuff. Dans le 2, c'était ça. De toute façon, on est dans le 2. Hein. Ah bah non, même pas là. Vous voyez là, ils l'ont pas mis en fait. Donc c'est un peu différent du 2. On a une petite marionnette quelque part ici. Qui se trouve ici. Attendez, je vais prendre le flingue, le pistolet plutôt. J'en ai aucune idée de savoir, je me souviens plus ce que c'était. Là, on a un badge. Le badge, je l'ai pas. Mais je sais qu'il y avait des armes ici à l'intérieur dans le 2. Et là, apparemment, ils l'ont pas mis. Ouais, mais il est encore là, lui. Eh ben, il est encore là, lui. Il est encore là, ce zombie. Hop, 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 hop. Enfoiré. Il meurt jamais, lui. Il lui manquait une balle à mon avis. Ça, je peux le jeter. Il est encore là. Encore vivant. J'entendais des pieds, des pas en plus. C'est ça qui était fou. Qu'est-ce que je fais? Vous croyez qu'il est mort là? Vous croyez qu'il est mort? On recharge. Alors ici, on a un casier là. Ça, ce sont des piles. Donc j'ai bien raison. Il y a bel et bien des casiers à débloquer. J'avais bien raison. Là, on a une pile ici. Et cette pile, à mon avis, il faudra la mettre sur le système où il y a une charge dans les douches. Ici, 104. Si je tape 104, est-ce que ça va marcher?
va essayer. Superbe. Donc là, j'ai récupéré la pile. Ok. Donc cette pile va m'aider à faire sauter le mur dans la douche. Ok, je prends. 106. Là, il manque des touches. Alors ça, je m'en souviens, c'est des touches qu'on était dans l'obligation de récupérer pour débloquer des grosses armes. Je pense qu'il y avait même le lance-roquette ou un lance-roquette ou un fusil à pompe, je sais plus. Là, pour l'instant, apparemment, c'est pas le cas pour ce Resident Evil 6, 3. Pourquoi je dis 6, c'est le 3. Voilà. Parce qu'on n'a pas d'autres armes en fait, hein. On n'a pas d'autres, hein. Et là, on a une grenade. Ouais, dans les casiers, les autres casiers sont vides. Donc, c'est un peu différent du 2. 109. Voilà. On récupère une grenade. Mais ça, je m'en souviens qu'il fallait trouver des petites touches. Bon, ici on sera pas obligé d'y retourner parce que tous les casiers sont vides. Voilà. Non, on n'en a pas d'autres, hein. Je pense qu'il n'y a plus rien de particulier. Là, il y avait un fusil à pompe ici là-dedans, ou je sais plus. Bon. Ça c'est fait. Là. Ici, on a une machine à écrire. Je vais essayer d'aller sauvegarder. Ah, c'est quoi ça? Ah, casier 3F, DCM. Alors, on a CAP. J'ai vu qu'il y avait un mot, c'était marqué CAP. Et après, c'était DCM. D'accord. Faudra retenir. Bah, après, dans le pire des cas, j'irai dans mes documents. Hein. Allez, on y va. Mais ne fais pas de bruit. Alors, je suis en train de réfléchir. Je passe ici tout droit. Par les escaliers, je sais qu'il y a moyen de sauvegarder. Ah, mais il est là aussi, lui. Ça m'embête. Il est venu là? Il est venu dans la pièce là, non? Il n'était pas venu dans la pièce. J'ai peur. Il est juste derrière la porte, je suis sûr. Je suis sûr qu'il est derrière la porte. Hall de réception. Non, pas hall de réception, c'est réception plutôt. On pourrait passer pour faire une sauvegarde. Vu que lui, il est derrière, dans les couloirs. Est-ce que je peux passer ici? Non, la clé de toute façon, on l'a pas. On l'a jetée. Et j'aurais peut-être pas dû l'acheter, j'y pense. Ah, si, pourtant, il y avait le logo. Donc il fallait le jeter. Oh purée, quel stress. Il est où? Il est passé où? Les escaliers sont là-bas. Pour sauvegarder, c'est ici. Là, on est bon. On va pouvoir les sauvegarder. C'est ce que je voulais justement faire. Ah, il m'a fait peur, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe de où? Vous êtes sérieux? Purée! Viens pas là! Qu'est-ce qu'il fait? Viens ici! Vous
What? Ouh! Un petit coup de frayeur là. Bon, on va se soigner, non? Allez, on soigne. On va sauvegarder déjà, ça sera bien. Faites de sauvegarder comme quoi j'ai récupéré la pile. J'espère qu'il n'est pas à l'intérieur de la pièce. Hein. Est-ce qu'il est là? Non, ça va, il n'est pas là. On est bon, on a la pile. On a deux codes. Deux cadenas. Donc là, il faut que je repars dans, dans les douches. Attendez, dans les douches? C'était dans les douches ou pas? Je sais plus. Palette de sécurité. Les douches sont là. Donc c'est à l'étage. Faut repartir à l'étage. Ouais, c'est ça. Ici. Là, on a un explosif. Et là, on a un cadenas. Là, c'est quoi? Un cadenas également dans les couloirs. Au troisième, il y a un cadenas. Et puis, au deuxième, il y a un cadenas également. Il n'est pas là. Pourquoi les portes se referment? Ouais, ça. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs dans le mur. Oh purée, il est passé où? Il est pas là-haut, moi. Non, ça va. Écoutez le bruit des... Hein, l'ambiance sonore. Là, on repart au 2F. On a un point de sauvegarde ici, vous voyez, un petit point de sauvegarde qui s'est fait. Mais ça veut pas dire que si je meurs, je vais pouvoir m'en sortir. Là, on est dans les douches. Voilà, ici. Carlos, j'ai fini avec le terminal ici. Je te rejoins. Compris. Il va me rejoindre, Carlos? Qui va me rejoindre? Ah, je préfère pas parce qu'il y a des casés qui sont piégés. Alors, dans mes documents. C'est ça. Casier 3F. Donc, c'est celui-là. Hein. Alors, c'est... J'ai pas lu. DCM. Pas celui-là. Il n'y a pas de M. C'est pas ce casier-là. Hein. C'est pas le casier 3M, ça. C'est pas le bon document. Donc c'est CAP, alors, peut-être. BC. Le truc que j'ai vu sur le tableau où c'était marqué CAP. Voilà, donc c'était pas le bon casier, donc c'est ce qui prouve qu'il faut des grenades, que des grenades. Ouais, ok, superbe. J'ai récupéré que ça. Que des grenades. Bon. Ok, si tu veux. Là, ici, de mon moment, on doit mettre la pile. Attendez. Je pense qu'il faut mettre ça, utiliser. Non. Ça marche, je me souviens plus. Ah, faut peut-être la combiner. Avec ça. C'est ça, voilà. C'est ça, faut combiner la pile avec le détonateur. Suivant. Trois minutes pour sortir. Il va se passer quelque chose là, à mon avis. Ça va meuter tout le monde, les zombies vont arriver de partout.
Avec la détonation, je le sens pas. Mais bon, il n'y a pas, il faut faire péter le mur. Ah, il se planque dans les douches. What? Ah, ça, je m'en souviens. Ah! Qu'est-ce qu'ils font là? Mais vous êtes sérieux? Je regarde pas dans le bon côté. Qu'est-ce qu'ils font là? Non. Oh, j'ai... m'en fait peur. Désolé pour le cri. Je sais qu'il va falloir récupérer une vanne. Ah, il est encore là, lui. Mais t'es encore là, toi. Mais saloperie, crève. Faites la queue, il y en aura pour tout le monde. Oh, purée. Vous êtes sérieux? Mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Mais vous êtes sérieux? Ah, mais c'est pas vrai! Respire, non, je peux pas! Respire plus là! Mais je vais où là? Oh, c'est impossible! Eh, je vous dis, c'est impossible! Mais pas là! Purée, mais c'est fou! Mais charge! Leur faut combien de balles pour qu'ils meurent? Y'en a encore là! Pouah, 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 pouah. Vous êtes sérieux là, le jeu? Bouge! Mais bouge! C'est quoi ça? Oh, il est encore là, lui! Oh non, mais non, mais hé! Hey, oh, 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 le jeu là! Arrêtez un petit peu là! Rentre là-dedans, dépêche-toi, dépêche-toi! Non, mais franchement là! Ouf! Ah, ça fait flipper ce jeu, hein! Je crie dans tous les sens. Respire. Docteur Barr. Oh. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où c'est vous êtes. Fou. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. Mais c'est un cauchemar. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution. Oh, c'est fou. Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chasseurs. C'est fou ce jeu. Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici. Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu? C'est tout, j'ai perdu la tête. On peut pas le livrer à Umbrella. Comment ça rigoler comme eux décider. C'est Amiral. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Ah bah dépêche-toi de localiser, j'ai pas envie de trop traîner. Ça va prendre. Franchement. On va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans quoi. J'ai pas trop envie de traîner ici, moi. Ah dommage, j'ai pas de badge ici. Ah mais ce passage dans la douche, je m'en souvenais plus, moi. Ce qui prouve que j'oublie beaucoup de choses. Je pensais pas qu'il y avait une horde de zombies comme ça. Moi, je m'en doutais un petit peu. Je me suis dit, il va y avoir un gros souci si je fais péter la bombe. Ça va meuter tous les zombies. Je me suis pas trompé. Ils étaient tous dans la douche. Waouh, mais là, j'ai eu chaud, là. Ah, on a une plante ici. C'est cool. Oh, du coup, je vais profiter de boire un peu de Perrier. Voilà. Goûter la bouteille. Voilà, le petit bruit qui va bien. Ça donne soif. Je me remets de mes émotions. Merci, c'est du Perrier. Je sais pas si vous allez le voir. Avec le verre, c'est du Perrier. C'est pas autre chose.
Et merci quand même. On aurait pu croire que c'était une bière, mais non, c'est du Perrier. Alors, dans ce bureau, qu'est-ce qu'on a ici? On a un document. Alors. Mais j'avais complètement zappé ce passage dans la douche. Je m'en doutais moi-même que ça allait attirer les zombies. Mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Hein. Alors. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations. Ok. Dans un laboratoire au sous-sol du manoir, le virus. Oui. Je vous lis pas tout. Ici, on a une photo. Jill. Ok. Regardez, on va regarder au niveau des cadres, on sait jamais. Au niveau de l'affichage, ouais. On va refaire le tour vite fait. Pas de badge, toujours pas de badge électronique. Toi, tu sais pas grand chose, toi là, avec ton ordinateur. À part pianoter sur un ordi. Ah, ici. Oh, regardez, il y avait une bombe de spray. Ça, ça va être bien, ça. Le spray, on va en avoir besoin. Bon, ben, on va sortir. Allez, à l'hôpital. What? Sérieux? Alors, attendez, coffre à jouer. Mallette de sécurité, caisse et munitions d'assaut. Aller à l'hôpital. Là, on a encore quelque chose à aller chercher là-haut. Hein. Au niveau du cadenas, je pense que je vais aller le voir si je peux pas aller le récupérer. Aller à l'hôpital. Ça, je m'en souviens pas. Tu fais comment pour y aller, en fait? Je vois pas où elle se trouve, cet hôpital. Alors, dans ce couloir-là, il y a des caisses et des fusils d'assaut. Ouais, j'écoute. Ouais. Dérailler. Il y a des blessés. Jill. Oh, merde. Ça sent pas bon, ça. Hein, quoi? C'est pas bon, ça. Jill. Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds. Bon, je dois y aller. Okay, donc, Jill, marche. C'est la fille, hein. Là, c'est la fille du début, hein. Donc, elle est pas morte, hein. On a cru qu'elle était morte. 5 minutes plus tôt dans le tunnel du métro. Donc, je reprends le relais, là. Voilà, donc Jill est bien, vivante. Je reprends le rôle de Jill. Là, j'ai peur, là, parce qu'il y avait le Ménésis. Il me poursuivait. Donc voilà, là je repasse avec Jill. Donc on repasse sur un autre inventaire. Ça va se marrer. Là on va rigoler. On va rigoler. Parce que j'ai plus de cartouches pour le pompe. J'ai tout le temps pas de lance-grenade. Ça va me manquer ce lance-grenade. C'est bien qu'il y ait le fait qu'il y a deux personnages comme ça. Dans le Resident Evil 2, il y en avait qu'un, il me semble. On faisait pas le relais entre quelqu'un d'autre, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus vraiment. Et on n'a pas de soins. Ça, par contre, c'est galère. On peut combiner avec ça. Non. On n'a qu'un petit pistolet. On va se marrer, les amis. Je sais pas si tu l'as vu ce passage où Jill se faisait poursuivre. Et puis le commandant, là, le barbu au début du jeu, où il discute avec elle dans le métro. Il s'est fait. Il a fait complètement péter une bombe avec le Ménésis. Pas persuadé qu'il soit mort. Pas sûr.
pour moi, il reviendra. Et c'est là qu'après, qu'on est passé sur Carlos. C'est à partir de là qu'on est passé directement sur Carlos. On a cru que Jill a été morte, mais non, elle n'est pas morte. Voilà, avec l'explosion du tramway, je me suis dit... D'ailleurs, elle s'en sort indemne, elle a pratiquement pas d'égratignure. Hein. Ça me fait penser un petit peu à Tomb Raider, en fait. Hein. Je suis grand fan de ce jeu également. Hein. Carlos, réponds. Carlos. Pas si t'aimes bien les Tomb Raider. Ça marche pas. J'adore cette licence-là. Généralement, quand il y a un nouveau Tomb Raider, je l'achète tout le temps. Alors, bonne nouvelle, les couilles molles, bien sûr. Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon des mines pour lance-grenades. Cette beauté vient tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella. Et avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies de B2. Je lis le texte, malheureusement, où il y a plus de vulgarité. T'es pas très fan des Tomb Raider? Ah, moi j'adore. J'adore cet homme. J'aime bien cet Tomb Raider. Ça m'a rappelé des souvenirs tout au début sur PC. Quand ça a commencé à arriver sur PC, c'était déjà pour moi une tuerie. Hein, déjà tout pixelisé. Les premiers Tomb Raider, j'ai connu ça. Hein, j'ai joué sur ces premiers Tomb Raider. Il y avait tout des pixels. On aurait dit un petit peu du Minecraft. J'ai tout le temps adoré. Après, c'est particulier. C'est un jeu d'aventure un peu spécial. Mais j'ai tout le temps bien aimé. Hein. Elles sont difficiles à dégoter et à utiliser, mais croyez-moi, elles valent le coup. Parole de scout. Et on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec le lance-grenade standard. Bah mais j'en ai pas de lance-grenade. Alors ne les mettez pas où je pense. Tirez contre les murs ou sur le sol. D'accord, donc il va falloir préparer le terrain. Pas bon ça. Et moi, si je dois préparer un terrain, si je dois miner un sol ou un... C'est pas bon du tout. Elles resteront sagement où vous les avez fixées. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Ouais. Par contre, ça va pas être ça. Ça va pas être cool. Le peu que je les place mal, je vais me faire avoir. Alors, pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi. Et vous obtenez une mine terrestre. Ah d'accord. Tous les moyens sont bons pour anéantir ces saloperies. Alors n'ayez pas honte d'utiliser ça. Superbe. Ah ouais, ben je vais les mettre où? C'est super sympa, mais j'ai pas de place. Alors ce que je vais faire... Parce que tant que j'ai pas de lance-grenade, je fais comment? Sans lance-patate, j'ai dû l'oublier quelque part. Ah, mais il est là! Oui, il est là, mon lance-patate! Il est là, lance-grenade MGL! D'accord. Alors, attendez. On va faire autrement. On va gérer ça autrement. Le lance-patate est là. Donc ça, ici, je vais pouvoir... C'est cool, ça. Je ne peux pas les... Comment je vais faire? Bon, je vais mettre ça dans le coffre. Alors ça... Munition, lance-grenade, contient des explosifs à l'impact. Ça, je vais le déposer. Ça aussi. Il faut deux emplacements pour cette arme-là. Ça prend deux emplacements, vous voyez. Voilà, donc à partir de là, ça je vais pouvoir les prendre, ça je vais pouvoir les prendre également. Comment fonctionne ce lance-patate? On en a 6 ici. Comment ça marche? Comment tu l'utilises? D'accord, comme ça. Tu le cherches comment? Alors on a le choix, j'ai pas eu le temps de lire. Grenade explosif et les mines, d'accord. D'accord, d'accord. On est... Alors, LB, c'est quoi LB? Donc là, je suis sur les mines.
Ah ouais, mais c'est ça, faut pas que je me trompe. Alors ceux que j'ai mis dedans, est-ce que je peux les reprendre? Je vais pouvoir les reprendre. Je peux les combiner. Attendez. Confirmer. Non, je peux pas. Je peux pas. Est-ce que j'ai de la vie? Oui, donc le spray, c'est pas la peine. Avec quoi je peux combiner ça, moi? Ok. Mine et grenade incendiaire. Pas beaucoup, hein. Quoi? Les grenades explosives. Ouais, ça va être compliqué. Ok. Je veux pas de fusil à pompe. Que le pistolet, malheureusement. Enfin, pas de cartouche plutôt. Ouais, bah, je sais pas comment je vais gérer ça. Je suis en train d'essayer de repérer un peu au niveau de mes mines et au niveau de mes armes. Allez, on y va pour souffrir. S'ils nous ont mis des grenades explosives, il y a une raison. Écoutez le souffle dans les couloirs. J'entends quelque chose qui coule là. Bah. Oh 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 oh. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Hop 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 hop. Ah, ça c'est efficace. Ça je kiffe. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ça c'est de l'arme qui va être efficace, ça. Ok. Bon, des grenades explosives, pour moi c'est que j'en ai pas beaucoup. Ah si, j'en ai... Non, je suis sur des mines incendiaires. On est d'accord. On va passer à la grenade incendiaire là. Oh, petite statue ici. Ici, la statue. Voilà, ça c'est fait. Oh, cette ambiance sonore me fout la trouille. Ok, on en a ici. Superbe, ça va être bien. C'est vrai qu'on sont un nombre assez nombreux comme ça. Oh, il y a quoi là? Écoutez, ce que je vais faire, c'est peut-être aller sauvegarder. Alors, je sais pas si cette sauvegarde va respawn les zombies ou pas. On va aller voir, je vais aller sauvegarder.
Au moins, si je meurs, je serai pas obligé de tout refaire. On va voir. Je vais refaire cette sauvegarde, on va voir un peu. Le fait que je vais sauvegarder, est-ce que ça va pas respawn? On verra bien. Ici, ça. Je peux toujours pas... Ah, attendez, ça, je peux pas les cumuler, ça. Je peux cumuler ça. J'ai pas de place. Ça, ici, si je prends ça. Si je fais ça pour les combiner avec ça. Non, je peux pas. Non, je ne peux pas non plus. Dommage. Si je prends ça. Ça. Ah ! Je trouve de touches. Je prends ça. Les grenades. Ah, ça pas bien, joystick. Ça. Et. Attendez. Et si je recharge? On est 9. Ça, je peux pas les combiner avec ça. Non. Pourquoi jeter? Non, je veux pas les jeter. Je vais les mettre dans le là-dedans. Ah, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes ? On va reprendre le spray. Enfin, bien utile, je pense. Voilà. Alors, je suis à 6 heures de jeu, hein, pour information. Je suis à 6 heures de jeu. Hein. On va voir si les zombies vont respawn ou pas. Non, donc j'ai bien fait de sauvegarder. Ils respawnent pas. Du moins, pour l'instant, une... Ils ne reviennent pas. Allez, on passe à l'extérieur. Le Ménésis va arriver, vous allez voir. Oh! Et voilà. Échapper à la créature. Oh non. On est parti pour encore une fois échapper à la créature. Oh, c'est pas possible. Ah, je rigole. Eh ben on y va, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Ça me plaît pas du tout. Vous allez voir, il va débarquer comme ça. Je suis sûr qu'il va débarquer de l'eau. Ici, il y a un lac. À mon avis, ça va pas être bon. Allez. Ah, je peux pas. Ah. Ah, j'ai peur là. Franchement, j'ai une trouille. Ce Ménésis là me fait peur comme pas possible. Quoi ça? Ah mais non, on a des plantes, mais on peut pas les utiliser. Ouais bah tant pis hein. Pas trop le choix de toute façon. Je ne pense pas que mon lance-grenade va faire grand chose. Ça c'est sûr.
Eh ben voilà. Superbe. Il sait même pas nager. Il sait pas nager, tu vas voir, il va arriver sur toi. Hé, hey, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Mais il est encore vivant. Il y a des blessés ? Ils sont tous morts. Mirail, tout le monde. Oh merde ! Le v'là, regardez. Il est là ! Il nous a trahis ! Quoi ? Non mais je rêve ! Il revient ! Pop, 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 pop. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour la panique. Ouais. Ah, vous avez vu la taille du monstre. Une petite femme comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire contre lui? Ça va pas être bon. Je le sens pas. Vaincre la créature, bien sûr. Je vais faire ça pour la vaincre. Tu te blesses toi. C'est quoi son point faible? C'est quoi le point faible? Est-ce qu'il faut tirer dans le torse? Est-ce qu'il faut tirer où? Au moment qu'il se dresse? Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Je fais aucun dégât. Je fais aucun dégât, les amis. J'ai plus de grenades. Je fais comment? Je fais comment pour l'avoir? C'est mort, mais c'est quoi ce délire? J'ai plus de grenades, j'ai plus rien. Je fais comment? C'est pas avec mon pistolet que je vais le mettre en terre. Hein. Non, mais c'est fou, comment je vais faire? Ouais, c'est foutu. Hein. C'est mort. Hein. Les carottes sont cuites. J'ai plus de fusil à pompe. Ah, ça lag. J'ai récupéré des mines, c'est bon. Ouais. Enfoiré. Ah mais non. Non mais non. Miam miam. Ah, il m'a dévoré. Il m'a dévoré. Bouge! Bah non, mais cette gestion de caméra, mais je vous jure. Ah, mais cette gestion de caméra, mais c'est horrible. Ah, je vais devoir tout refaire. Non! Je vais pas passer en mode facile. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais non, je vais pas passer en mode facile. Mais non. Ah, mais quel idiot. Je peux pas... Non, je vais pas passer en... Bah, il est trop tard. Pff, oh, mais c'est pas vrai. Comment tu fais du coup? Ah mais j'ai été trop vite. J'appuie sur la touche comme un idiot et j'ai choisi le mode facile. Ah oh, mais quel idiot. Mais quel idiot.
Rien, je vais reprendre ma sauvegarde, tant pis. Hein. Ah, mais la boulette, ça c'est bien moi, ça. C'est la boulette de chez Boulette. Je pense que ça doit être celle-ci. Ouais. Alors, charger les données, sélectionner toute progression non sauvegardée sera perdue. Tant pis. On refait. On verra bien. Comment ça va reprendre? Je reprends là du coup. Tant pis. On reprend ici. C'est pas grave. Moi, je vais pas faire le mode facile. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ah, franchement, là, j'ai fait une connerie. Hein. Alors, ce que je vais faire peut-être, c'est peut-être retirer mon spray. De toute façon, là-bas, il y a des plantes pour se soigner. Alors, attendez, je vais faire autrement. Salut, Corentin. J'espère que ça va, bienvenue. Ah, mais je suis... là, j'ai fait une boulette incroyable. Alors, je vais retirer le spray. Le spray, on le dépose. Ici, je reprends ça à la place. Voilà. Ah, bah tant mieux si t'es en forme. Tant mieux. Allez, c'est parti. Sûr que là, bon, ça c'est bon. Ah ouais, là j'ai fait une connerie, hein. Est-ce que ma statue, du coup, attendez, je vais revoir. Est-ce que la statue, du coup, elle est encore au niveau du lit? Non, c'est bon, elle y est plus. Alors, je pense que là, on va frotter le Ménésis, on en a pour un moment. Hein. Parce que j'ai pas trouvé son point faible par rapport au lance-grenade. Mais pas du tout. Alors, bah là, on y va. Je peux pas rester ici. Ça, je peux pas le prendre. Bon, là, on va revoir la même séance. Heureusement, j'ai fait une sauvegarde plus loin. Hein. Puisque c'était ça. De toute façon, j'ai plus de place. Je suis en train de penser, est-ce qu'il faut pas tirer dans les dans tout ce qui est articulation peut-être. Ouais, c'est pas grave, Corentin, tu passes quand tu peux, hein. Pas de soucis. T'inquiète. Ne t'inquiète pas. Vous passez quand vous pouvez, hein. Voilà. Là. Est-ce qu'il faut pas tirer dans ses jambes? Ah, son point faible, c'est quoi en fait? Oh, c'est pas vrai! Ça. Est-ce que je prends des dégâts là? Tu limites, hein. Vraiment limite.
Alors, je recharge, recharge. Je vois pas son point faible. Son point faible, je le vois pas. Ah mais la visée elle est pas bonne en plus. J'ai plus de mine. J'ai plus de mine, j'ai plus de mine, j'ai plus de soin. Parce que c'est de ce truc. Ah, il est là-haut. Il est là-haut. Non! On la lance-grenade! Non, Megan n'est plus là! Elle fait plus partie de la chaîne! Megan n'est plus. Fait plus partie de la chaîne, elle est une follow à la chaîne! Voilà, Corentin! Mais je pense que t'es au courant, à mon avis! C'est quoi son point faible? Son point faible, c'est quoi lui? Je trouve un moyen d'arrêter. Il est où là? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Cours, dépêche-toi. Purée. Il est passé à côté de moi, il m'a même pas vu. Il faut que j'arrive à l'immobiliser. Ah, comment? Comment tu vas faire pour l'immobiliser? Tu peux pas. Pas compris là. C'est nul ça. J'ai plus de grenade. Je fais comment? J'ai plus de grenade. Fusée à pompe. Il est passé devant moi. Comment tu fais? Bon, je sais pas. Ah d'accord, pas de soucis Corentin. Tout à l'heure, merci d'être passé. Passez une bonne après-midi.
Je vois pas le point faible. Son point faible, c'est quoi en fait? Merde, il m'a eu. Ah mais c'est mort là. La gestion de caméra est vraiment mal faite hein. Ils sont où mes munitions? Ah purée, mais je vois pas. Y'a plus de munitions, y'a plus rien. Ouh. C'est mort. Bouge. Ah mais vous êtes sérieux? Cette gestion de caméra c'est une merde. Désolé de dire ça. Mais j'arrive pas. Franchement j'arrive pas. Ah mais recharge. Bah oui mais tu cherches pas ton pompe. Tu es nul là. Tu ne recherches pas ton pompe. Des plantes. Mais non mais pas examiner. Ah oh, mais non. T'as pas le temps d'examiner et tu te fais tuer là. Ah mais ça va pas du tout. Ah mais ça va pas être triste. Je pense que c'est pour moi, c'est foutu, je vois pas le point faible de la créature. Je vous jure, je vois pas. Je sais pas comment faire. Je vais mourir. Pourquoi tu t'es arrêté de courir? J'ai plus de lance-grenade, c'est ça le problème. J'ai même pas le temps de recharger. Je prends pas le réflexe de recharger, non mais c'est mort. Je suis mort. Bon là on en a pour des heures et des heures là. Là on en a pour des heures parce que je vois pas comment le blesser, comment le mettre à terre. J'en ai aucune idée. Aucune idée de savoir comment je vais faire. Je suis complètement dans le doute. Oh, c'est pas vrai. Je vous jure, je sais pas. Je vois pas. Ah, il commence déjà à m'attaquer comme ça dans le dos, lui. J'aime pas cette caméra, j'aime pas. J'aime pas cette caméra. Dépêche-toi de chercher. Dans les jambes, tirer dans les jambes peut-être. Arrête de tirer à côté. Je sais pas, j'ai l'impression que... Eh mais tu es... Eh franchement tu es... Tu fais n'importe quoi. Tu recherches pas ton truc entre deux. Tu recherches pas ton lance-grenade. Au moment de tirer tu perds du temps là. Faut que j'aille chercher. Oh non mais bon je laisse tomber, je pense que... Là, à mon avis, c'est mort. Hein. Voilà. On va se soigner.
Est-ce que vous avez vu un point faible sur ce monstre ? Est-ce que c'est le... Faut tirer au milieu du torse ? Ah mais ça ralentit, mon PC ralentit en plus, bien, superbe. Mon PC ralentit, c'est génial, c'est le moment. Bon, on sent là. Et où ? Comment je vais faire ? Ah, je suis foutu, hein, je suis foutu. Ah, confirmé, mais oh, mais alors, si t'attends de confirmer quoi que ce soit. Comment je vais faire ? Je trouve du soin. Allez, mais non. Pourquoi je peux pas prendre les cartouches ? Qu'est-ce que c'est de cet inventaire Bon, mais c'est quoi de cet inventaire là ? Je panique. Oh, allez, c'est mort. Je crois que je vais croire que je me désabonne de sa chaîne. Je sais pas de quoi tu parles, Corentin. Oh, c'est pas vrai! Regardez là, Ronald, où elle est. J'ai du mal à gérer cet inventaire là. Ça va pas être simple. Je fais que tourner, je fais rien, je fais aucun dégât. Là on est parti pour des heures, hein. Je comprends pas. Je sais pas comment l'affaiblir, je sais pas comment procéder pour le mettre au sol. Franchement, je sais pas. Mais cours, oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mou. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez comment je suis obligé de gérer ça, moi. Comment voulez-vous ? Ouais, mais ici on parle pas des autres chaînes, Corentin. On ne parle pas d'autres chaînes. Moi, je vais pas sur un live. Quand je vais sur un live, je ne parle pas de ma chaîne. Voilà. Oh, voilà, enfin bref. Pour l'instant, je suis occupé.
son point faible, c'est quoi en fait? Je sais pas comment le mettre au sol. Ah non, mais je vois pas du tout. Hein. Ah ouais, bah, mais prends les grenades pour que tu me demandes de confirmer. Qu'est-ce que c'est de ça? Prends-les! Drôle de façon de gérer un inventaire là-dedans. Drôle de façon de gérer un inventaire. Oh non, mais tape bien dans le dos, y a pas de souci. J'arrive pas à gérer l'inventaire. C'est une galère. C'est une galère à gérer. J'arrive pas. Entre la croix, le stick, le menu, le Y et tout ça, je comprends pas. Attendez. Vous allez pas me faire croire que je peux pas me soigner là. Salut Benesis 872. Non, j'ai franchement, Corentin, j'ai pas envie de parler de ça. Que ce soit Dirk, Megan et toute la clique, j'ai pas envie d'en parler. Merci bien. Évite d'en parler, Corentin, ça sera bien pour le déroulement du live. Merci beaucoup. Salut Benesis, j'espère que tu vas bien et bienvenue à toi. Alors, ah non, j'ai pas pris de soin. Utiliser, voilà, donc ça c'est bon. Ah, je galère pour cet inventaire, je vois pas son point faible. Son point faible, je vois pas comment je peux faire. Ici, on a des mines. Alors attendez, les mines. Grenade maximum par le transport et ton inventaire est juste, je trouve trop. J'ai déjà bien. Ah bah c'est cool, Ménésis. Merci pour l'info. 6 grenades maximum pour le transport et ton inventaire est juste. D'accord. T'as déjà bien avancé dans le jeu. Ouais, bah. Je pense que j'ai oublié certains passages ou peut-être certains endroits. Je sais pas. Où j'ai mal géré. J'ai peut-être. Ah, je suis mort. J'ai peut-être mal géré le... Ah, tant mieux, Ménésis. J'espère que tout se passe bien quand même. Par rapport à ce qui se passe. Voilà, c'est foutu, là. C'est foutu. Là, j'ai plus de vie. Pose des mines devant lui, d'accord. Alors, les mines, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Oh là là! Oh, je sais plus. Dans la panique, je sais plus. Pose des mines devant lui. Il est où? Les mines. Il est passé où? Ouais, je pense que mon inventaire a pas été bien géré, je pense. Je suis pas un grand joueur hein, sur ces... Mais c'est pas des mines, ça. C'est pas des mines. C'est pas des mines. Ça fait rien en fait. Ah c'est mort. C'est mort. Je suis morte. Ouais, je joue en normal, ouais. Ouais, je voulais le faire en normal, mais je galère, hein. Je savais que j'allais galérer, hein. Je suis pas habitué à jouer à ce genre de jeu là, mais. Là, on est. Ça va faire une demi-heure que je suis sur ça. Hein. Posé sur la route, quand il court sur. Et sur les murs, et cela fait. Ah, d'accord. Sur les murs.
D'accord, là on est sur de la grenade incendiaire. Ah non, je sais très bien que tu critiques pas, t'inquiète. Hein. Non, je prends pas ça pour une critique. Moi je le savais, hein. Je savais que j'allais pas y arriver, hein. Mais bouge! Ça c'était un défi que je me donne à moi-même, hein. Je savais très bien qu'en mode normal, j'allais pas y arriver. Enfin, j'allais pas y arriver. J'ai avancé quand même, mais j'ai mes moments de galère, hein. Ça, je savais très bien. Allez. Par contre, la vie, elle est pas terrible. Mais ouais, voilà, chacun joue comme c'est le sang, exactement. Je sais très bien que c'est pas une critique, hein, t'inquiète. Hein. Voilà, après si j'y arrive pas, c'est. Voilà, c'est. On essaiera de faire pour y arriver, tout simplement. Ouais, par contre, voilà. Là on est mal parti. C'est l'inventaire que j'arrive pas en fait à gérer. C'est surtout ça. Cette gestion de caméra, j'arrive pas. Passé où ? Il est passé où ? Une mine là. Par contre, là, au niveau vie, c'est pas top, hein. Pas terrible, hein. C'est pas génial. Moi, je vais faire pour récupérer de la vie. Merci, Corentin. Bonne soirée. Je suis mort. Bonne soirée, Corentin. À bientôt. Il faut que tu tires ta mine que quand il court sur les murs, d'accord. Sinon la mine ne reste pas. Et ah, pète toute seule, d'accord. Oh, mais je vais pas y arriver, hein. D'accord, donc quand il se trouve, il y a un moment, il fait le tour des bâtiments. C'est à moi de placer les mines au moment où il se déplace. Ah, mais déjà sur le joystick, la visée est pas géniale. Bah, c'est du Resident Evil, hein, là, au joystick déjà c'est pas top non plus. Bah après ce jeu là je pense qu'au joystick c'est quand même un petit plus. Ça peut aider beaucoup plus qu'un clavier souris. Enfin pour moi je pense, hein, y a tellement d'options. Voilà. Je vais aller manger, d'accord, pas de soucis Johan. Bon appétit Johan, et puis à tout à l'heure. Hein. Alors sinon tu vises le bon mur, le blanc est parfait, d'accord. Merci Ménésis, ah, merci à toi. Merci pour tes conseils. Je vais essayer de respecter un petit peu ce que tu dis. N'hésite pas à me répéter si tu vois vraiment que je gère pas bien. Encore une fois, je ne prends pas ça pour une critique, hein, je préfère vous le dire. Au contraire, j'ai besoin d'aide. C'est le genre de truc qu'il faut. J'ai absolument besoin d'aide. Et c'est important, quoi. Parce que j'adore ce genre de licence-là. J'ai déjà fait le 7, le Resident Evil 2 Remake. En mode normal, hein, mais bon, j'ai eu mes moments de galère, mais comme pas possible. Même au début, hein, le tout premier de la toute première partie de ce jeu, quand tu te retrouves à remettre en route le métro, je sais plus combien de temps j'ai mis pour échapper à ce Ménésis. Voilà, je vais pas en dire plus parce que si les gens ne l'ont pas fait, j'ai passé un temps fou à essayer de l'éviter et puis éviter également les zombies. J'ai mis du temps, ça a été compliqué. En plus, dans la panique, je ne trouvais pas l'accès à la station, etc. Donc c'était pas facile. Voilà. Alors, donc sinon, bah, tu vises bien les murs blancs. On va essayer de voir pour pas essayer de gérer entre la mine et la grenade incendiaire. Non, je vais rester en mode normal. Tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, j'ai marqué oui
pour le mode facile. Donc ça va, j'ai repris une sauvegarde, heureusement. Je vais tenter en mode normal, tant pis, je mettrai le temps qu'il faudra. Voilà, on verra bien. On verra. Si j'y arrive pas, ben on changera. Oh, c'est pas vrai. Ah, bah là, déjà, ça commence pas très bien. Déjà, c'est perdu, là. Une mine de perdu. Je tire à côté. Je suis beaucoup trop près, je prends des dégâts en même temps, à mon avis je suis beaucoup trop près. J'essaie de te reprendre après Mélésis. Merci en tout cas à toi, merci à toi pour ton aide. Allez, on y va. Non. C'est où ? Merci pour le courage. Du courage, il va falloir beaucoup de courage pour le mettre au sol. Et là, je peux tirer là. Ah, mais non, mes charges. Pas bon ça. C'est pas bon. Ah, ici. Les mines. Ah, il souffle dans mes oreilles. Voilà. Ah, attendez. Ah, il est trop tard. Ah ouais, ça sert à rien en fait ce que j'ai fait là. Change. Ah, il a eu mal là. Je pense que la mine que je lui ai envoyée là, il a eu très mal. Je vais te dégommer. C'est lui qui va me dégommer, oui. Dépêche-toi. Ça va pas. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il est passé où? Merde. Ah merde, tiens, excusez-moi. T'en doutais. J'ai mal joué. Il est pas content là. Faut que j'arrive à savoir jouer entre les deux. On va soigner. Voilà. Sert à rien. Là, tu te trompes de mine. J'ai plus rien. Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Cours. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon, les amis. Oh, c'est pas pour de la voir quand il bouge. Ah, mince.
Ah, j'arriverai pas. Pourquoi j'arrive pas à changer de mine? Pourquoi j'arrive pas? Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus que ça, j'ai plus que les... J'y arriverai pas. Je le sens pas, je n'y arriverai pas. Non, c'est mort, j'ai pas de mine, j'ai plus de mine. J'ai plus rien. J'ai même pas de cartouche. Ah non, j'ai même pas de cartouche, je vais faire comment moi? Oh là 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 là, quand tu vises le mur blanc en général, il tombe juste devant toi. Tu peux enchaîner un incendiaire. Ouais, mais j'arrive pas. Voir aux pompes. C'est général de tour, mais t'as compris le truc, ça va venir. Pour l'instant, je suis mal parti. Pas de soins, j'ai plus de pompes. Plus de grenades. Faut que je trouve absolument des... Non, c'est mort. C'est foutu, là. Non, je trouve rien. Ah, ici! Ah là 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 là! Non, j'ai pas... Non! Ouais, mais ça va pas, c'est avec le joystick, j'ai du mal, hein. Avec mon joystick, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Il va me mettre la misère. Je sens qu'il va me mettre la misère. Là, je le chatouille, là. Je le chatouille avec mes munitions. N'hésite pas à faire le tour des voitures. Ouais, mais là, c'est le problème, c'est que... Ah, je suis mort, là. Je regarde plus par où il passe. Ah, je vais mourir, hein. Non, y a rien là. Je pense qu'on va devoir tout refaire. Oh, c'est trop dur de la voir quand il bouge. Ah, mais je peux pas, j'ai pas de mine. Ah, puis je panique, hein. Je panique comme pas possible, c'est ça le problème. Hein. La panique est là, donc. Ah, c'est mort. C'est foutu! Qu'est-ce que tu fais? Oh non, mais je fais n'importe quoi là. Ah, je fais n'importe quoi là. Oh, attention, c'est mort. Je pense que je vais pas y arriver. Ouais, mais mon inventaire est plein. C'est quoi son point faible? C'est son torse? Est-ce qu'il a un point faible? Son torse, ses jambes, parce que là, j'ai l'impression de le chatouiller. Hein. J'ai plus de grenade d'explosif. Je n'ai plus de grenade d'explosif. Il est où? Ah, touche-moi pas, hein. Non, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon petit tour. Mon petit jogging. Aïe. Non, tu me touches pas. Oup.
Tiens, prends ça, tiens. Je te chatouille. Je lui fais des chatouilles, là. Là, j'ai plus de grenades incendiaires. Faut que j'aille en récupérer pour un bien. Non. Ne t'en fais pas tomber, tu verras pas son point faible. Ah, d'accord. D'accord. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Comment il a fait le tour? Comment il a fait le tour? Ah, ici! Oui! Et puis je prends tout. Je suis avec quoi là? J'ai pas pris de grenade. Comment on fait? Ah mais ça va pas cet inventaire, j'y arrive pas. J'ai pas pris de grenade incendiaire. De mine incendiaire. Bizarre ça. C'est des cartouches, un fusil à pompe. Aïe aïe aïe. Ouais, il m'a déjà mis au sol. Ah non, je suis pas morte. Je suis encore vivante. Oh là 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 là. C'est la souffrance. C'est des munitions de quoi ça? Je suis pas persuadé que je vais y arriver. Hein. J'ai pas de place. C'est n'importe quoi. Je me trompe de mine. Oh, mais c'est pas vrai. N'importe quoi. Ah mais c'est pas possible. C'est vraiment n'importe quoi. Ah mais le temps qu'elle charge, il y a un truc qui va pas, qui est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal, c'est que le temps qui charge, voilà, là il est au sol. Purée! J'y arriverai pas, je panique. Plus de grenade incendiaire alors que j'en avais tout à l'heure. Mais c'est quoi ce truc? Je tire quoi là? Comment ça se fait que mon inventaire est si vide? Non mais là je comprends pas, là il y a un truc qui va pas. Alors je peux aussi tourner, esquiver, sans tirer et attendre qu'il aille sur le mur. Ah ouais d'accord, juste en munitions comme toi. Comme toi ça prend plus de temps, mais cela dit, c'est moins... Ça sera plus efficace. Alors, tes 500 gens seront plus efficaces sur les points faibles car il prendra feu. Et pour ça, et toi, soit ça tombait une fois, tu auras pris le coup. Tu vas vite en devenir à bout. Alors, attends, je vais reprendre ton message. Excuse-moi, Ménésis. Hein. Aussi tourner, esquiver sans tirer, d'accord? Et entendre qu'il aille sur le mur. Ouais, mais là, on en a pour un moment, je pense. Hein. Juste en munition comme toi, ça prend plus de temps, ouais, effectivement. Cela dit...
quand il prendra feu, d'accord. Oh, ok, bon, on va essayer de voir un peu. Changer de méthode, peut-être. Ah, pour changer un peu de méthode. Alors, pour moi, c'est ce que je faisais. Que courir, esquiver, tirer aux pompes des fois. D'accord. Et comme tu restes sur tes mines pour le mur. Ah oui. D'accord, au moment qu'il m'y arrive, tu restes tout le temps sur les mines pour le mur. Tu changes en incendiaire au sol. Fais ça 2-3 fois et c'est bon. Ok. Bon, j'ai un doute que je vais y arriver. Hein, parce que là, j'ai saut de caméra, changement d'inventaire. Prendre des soins, des munitions. C'est pas un pire. Tu sais pas où il se place, tu sais pas où il arrive. Alors le fait qu'on. C'est pas évident. Ben bon, je sais que je vais en chier, ça c'est sûr. Moi il reprend lui. C'est pas ça. On reste en incendiaire. Tu tires très peu et tu restes sur tes mines de. Il tombe et après incendiaire. Dès qu'il tombe, c'est incendiaire, d'accord. Ouais, ok, d'accord. On va essayer de voir pour faire ça. Alors attends. Là je peux éventuellement. J'ai pas de munitions. J'ai pas de munitions. Ah mais là le problème c'est que. Là je suis. Je lui tourne dans le dos, donc ça va pas. Après les mines, faut que j'arrive à les placer, c'est ça. Hein. Les mines, faut que j'arrive absolument à les placer. Il fait le tour tellement rapidement. Là, il me reste 6 incendiaires. Et j'ai que 2 mines. Ça fait pas beaucoup, hein. C'est pas énorme, hein. Ah, la touche comme ça pour l'esquive. C'est ça. La touche là. Mais faut pas que je l'oublie, c'est ça. Oh, mec, faut pas que j'oublie de les utiliser. Ah mais c'est pareil, c'est tout le temps la même chose. C'est nul. Mais tu es nul. Ah mais c'est mort. C'est mort. Ouais c'est foutu là. Mais pourquoi j'arrive pas à charger? J'ai pris quoi comme munitions? Ah j'ai rien pris. Bah oui forcément ton inventaire est plein. Ton inventaire est plein donc tu prends rien. Logique. Et Ruyon. Vous voyez, c'est plein, c'est archi plein. Voilà. Ouais, c'est que j'ai pas. Ça va être dur, hein. Ça va être très 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 difficile. Ben voilà, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Tu tires à côté. Oh mais pas vrai ça. Tu tires complètement à côté. Voilà. Bouge. Bon, quand est-ce que tu vas grimper au mur?
que là, je suis en mine. Hein. Là, je suis avec mes mines. À moins de... Non, je peux pas. Mais non. Mais non. Là, je suis en incendiaire. Ok, là, je suis en mine ou pas, là. Enfin, je sais pas. Mais touche-moi pas, toi. Laisse-moi tranquille. Alors, voilà, t'as compris, garde la caméra en ayant Ménésis dos à toi. Et les mines, il y en a dans les voitures. Dos à moi, d'accord. Ok. Et les mines, il y en a dans les voitures. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est où? Il est passé où? Merde! J'ai tiré à côté! C'est nul! J'y arrive pas! Ah, mais non, mais ça va! J'ai plus de mine! Y'a pas de mine, je sais pas quoi là! C'est mort! Ah, mais non, ça va pas, c'est infaisable! C'est infaisable, j'y arriverai pas! Compliqué. Mais pourquoi t'arrêtes de courir? T'es déjà fatigué? Il est où? Moi je fatigue. Par contre oui je fatigue moi, ça c'est sûr. C'est nul. Là, c'est pas comme ça que je vais y arriver, hein. C'est pas comme ça que je vais y arriver, j'ai pas de mine. J'ai aucune mine, donc je sais pas où aller. Je sais pas où les prendre, dans les voitures. Là, il y en a pas. Le temps que je les trouve. Mais arrête de courir, cours. Oh là là. C'est pas vrai ça. Pourquoi t'arrêtes de courir? Je trouve pas de mine là pour l'instant, je suis dans la galère. Je suis dans la galère. Bah ouais, c'est ça que je comprends pas, c'est que j'ai pas trouvé les sacoches. Tape. Oh mais c'est pas vrai. Désolé de crier hein, les amis, je suis... Voilà, je me fais avoir. Je me fais avoir, c'est mort. Alors après avec la croix... Non mais je pense que le jeu j'ai mal géré. Hein. Je l'ai mal géré à mon avis. Pa, complètement à côté, j'ai plus de mine, j'ai plus rien. Je fais comment? Comment on fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est où? Mais cours! Oh là là, mais cours! Non mais c'est mort hein, là, c'est foutu. Ah! Ah mais mon inventaire est archi plein! Voilà, maintenant j'ai trop de fusils, j'ai trop de cartouches à pompe maintenant. J'ai trop de cartouches pour le fusil à pompe. Voilà, donc maintenant il faut que je le charge. Oh là là, c'est incroyable, comment tu peux gérer ça? Comment tu peux gérer ça? Je pourrais pas le gérer, j'arriverai pas. Cours, mais cours. Voilà, je sais que t'es blessé. Mais c'est la croix que j'arrive pas, hein, c'est ça le problème. Certaines voitures et... Bah, j'ai plus de place, mais c'est quoi ce délire? Je n'ai même plus de place. Mais non, mais je vais pas examiner. Pff, oh là, allez, je jette.
Voilà, je jette. Alors là, je sais pas comment je vais gérer ça, moi. Cet inventaire, c'est une galère. Comment je vais faire? Allez, on est bon, on a récupéré des mines, mais par contre, la santé n'est pas bonne. Il est où? Il est passé où? Il est passé où? Ça sert à rien ce que je fais là. C'est pas là qu'il va avoir des dégâts. Hein. Allez, viens là. Mais viens là, viens. Voilà. Pas persuadé que c'est comme ça que je vais. Mais bouge. Alors, on peut pas viser là, c'est impossible. Tu peux pas viser. C'est impossible. J'arrive pas à viser. Ouais, mais j'arrive pas avec les croix. C'est une galère pour moi, les croix. La croix, c'est une galère pour l'inventaire. Mais tu peux courir, s'il te plaît. Oh là là, on dirait une grand-mère. Dépêche-toi. Mais dépêche-toi. 3 jours pour charger. Allez, 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 dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis pas là, c'est pas sûr que je vais y arriver. Non, non, non. Non. C'est mort. Oh là 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 là. Charge, 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 charge. Charge. Non, 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 non! Il est où, il est où, il est où? Oh, pas, j'y arrive pas! Infaisable! Je mets tout à côté! Ça va être compliqué, hein. Pour moi, j'y arriverai pas! C'est mort! C'est mort! On peut tout refaire! Je suis en train de mourir. Il n'y a pas de plante, il n'y a rien. Hop. J'utilise une grenade pour péter une casse. Hein. C'est nul. Hein. La souffrance. C'est de la souffrance. C'est... Bon, je vais le mettre. Je vais me laisser mourir, tout simplement. Là, c'est pas la peine de lutter. Une fois il tombe, faut... Cours vers lui. Et tire sur les points faibles. Ah, d'accord. Ouais, au moment où il reste immobilisé au sol, quand tu lui fais des dégâts, quand tu restes il reste au sol, quand il bouge pratiquement pas pendant quelques secondes, c'est là qu'il faut se rapprocher de lui. Et tirer sur ses points faibles. Mais moi, entre gérer, passer d'une croix à une autre, j'arrive pas. Entre appuyer la croix droite et la croix gauche, c'est beaucoup trop long. Repose en paix. Oh, bah là, la commande RIP va chauffer. Cette commande RIP va chauffer de partout. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Combine. Ouais, c'est pas évident. Merci en tout cas, Ménésis, tu m'apportes plein... Non, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas. Non, excusez-moi. Changement de mode irréversible, non. Son... Alors... Pris de sa tête, d'accord.
Alors, au moment où j'arrive à vraiment l'immobiliser, c'est là que je dois prendre le pompe et tirer dessus. Mais il faut encore avoir des cartouches. Faut encore avoir des cartouches. Mais c'est vrai que mon inventaire, je pense que je l'ai mal géré. Après, je ne vais pas dire que j'ai mal géré le jeu en lui-même, parce que pour moi, j'ai vraiment exploré un peu partout. Il y a peut-être un endroit que je n'ai pas exploré au début. Il y a une zone. On m'a dit, mais non, ce n'est pas la peine, tu n'es pas obligé de le faire. Parce qu'il y a une carte, il y avait une carte qui était restée dans le rouge, et repartir vers la station de métro. Et j'ai même dit en live, j'ai dit, bah oui, mais il y a une partie que j'ai pas fait, il y a encore une partie que je n'ai pas faite sur la map. On m'a dit, bon non, c'est pas la peine de le faire, ça sert à rien, t'es pas obligé de retourner là-bas. Alors est-ce que c'est à cause de ça que j'ai pas récupéré la sacoche? Possible. C'est possible, c'est soit ça, ou bien c'est peut-être moi qui ai vraiment oublié une pièce ou un magasin, ou je sais pas. Alors, passe par le menu pour changer. Ah d'accord. Si tu n'y arrives pas avec les croix. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais, par le pompe ou incendiaire, une fois au sol, d'accord. Et Relinky. Relinky, oui. Voilà, je suis sur ce Ménésis. Voilà. On essaie de le mettre à travers depuis plus d'une heure. À peu près. Bon. Il te faut juste les sacoches pour l'inventaire. Et j'en ai deux ou trois dans des coffres. Ils t'ont dit des conneries. Ouais, bah je pense que ça doit être ça. Mon avis, ouais, je pense que la personne savait certainement qu'on pouvait y récupérer une sacoche. Et on m'a dit des conneries. Voilà. Ah, après, moi, je fais confiance aux viewers. Après, voilà, c'est... Je ferai attention la prochaine fois. Je sais qui c'est, donc je ferai attention la prochaine fois qu'il me le dit. J'irai voir moi-même. Mais bon, c'est pas méchant, c'est pas grave. On va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, il faut juste les sacoches pour l'inventaire. Ça, je l'ai vu. Bon, on recommence. 19h26. Il reste une petite demi-heure à essayer de le mettre au sol. Ça va faire une heure à peu près, je suis dessus. J'y crois pas vraiment. Hein. Je suis sceptique. Je suis un petit peu sceptique de savoir que je vais y arriver. Je ne vais pas passer. Mais arrêtez avec ce mode facile. J'y passerai peut-être demain. Ou dans deux jours. Peut-être je serai encore sur ce boss dans deux jours. On verra bien. Souhaitez-vous passer en mode facile, vous bénéficiez des aides suivantes, d'aide à la visée activée, récupération de vie lorsque vous êtes dans un état critique. Ah ouais, d'accord, ok. Ennemi un peu plus faible. Fusil à sol disponible dès le départ. Ça, je ne l'ai pas eu tout de suite. Plus de munitions combinant des poudres. Attention, le changement est irréversible. Mais non, mais j'ai envie de continuer en normal. Je sais que je vais souffrir, mais tant pis, on verra. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Demain sera un autre jour. Et peut-être demain, je vais le mettre très vite au sol. Moi, je me souviens d'un jeu que j'ai fait. C'était quoi ? Evil Within. Alors, Evil Within, je suis retombé sur un boss. Je pense que j'ai mis énormément de temps à le mettre au sol. J'ai même ragé, mais je vous conseille de ne pas aller le voir sur YouTube, ce live-là. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il a été transmis sur YouTube, parce que j'avais une rage. Attention, il y a certains mots qui partaient dans tous les sens. Alors, ce n'est pas mon habitude. J'essaie tout le temps de rester poli et correct sur les lives. Voilà, j'essaie quand même de respecter les personnes qui se trouvent sur le live. Mais là, j'ai lâché. Hein. Franchement, j'ai tout lâché au niveau des mots. Et j'ai mis je sais plus combien de temps. Et le lendemain matin, j'ai retourné dessus et je l'ai eu en une heure. Au bout d'une heure, j'ai réussi à l'avoir. Mais j'avais passé pratiquement peut-être deux, trois heures dessus. J'ai fait un live que sur ça, essayer de mettre un boss à terre. J'ai jamais réussi. Et quelquefois, peut-être demain, ça ira mieux. Voilà. Alors, c'est pas infaisable, ouais, voilà. Mais c'est vrai, c'est dans le mal pour le stack, je m'en doute. Ouais, là, je... Ah ouais, non, mais j'ai ragé comme pas possible, Johan. Bon, à cette période-là, tu me connaissais pas encore sur la chaîne, mais les mots sortaient de partout. Hein. Voilà, je me suis même excusé après par la suite. Ouais, c'est vrai qu'on peut craquer, hein. Ouais, ça arrive de craquer au niveau des paroles. On évite de temps en temps, mais là, j'ai tout lâché. J'ai lâché la purée. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Non, 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 non. Voilà. Alors, il est passé où ?
Non, déjà, on n'est pas sur les bonnes mines. On n'est pas sur les bonnes mines. Voilà, donc on reste tout le temps de dos. Comme tu m'as conseillé, Ménésis. Tu restes tout le temps de dos. Histoire de voir comment il va t'attaquer et esquiver. Voilà. Voilà. Par où il va passer. Voilà. Les tirs ? Il y a eu un bug ? Pourquoi ça a bugué ? Pourquoi ça a pas tiré ? Pourquoi j'ai pas visé ? Mais je me souviens de ce Evil Weezing comme si je l'avais fait hier. Hein. Et c'est pareil, c'était un défi de le faire dans mode normal, il me semble. Je fais jamais mes jeux en difficile. Mais c'est le genre de jeu vraiment... c'est pas évident, Evil Weezing est pas évident. Ça devait être le 2, je pense. Le 2 ou le premier, je ne sais plus. Hop. Tu m'auras pas. Pour l'instant, tu m'as pas. Et voilà. Une grenade incendiaire utilisée à rien. Superbe. T'oublies de recharger, c'est génial. T'as fait ce qu'il fallait. Alors déjà, j'ai réussi à... Grâce à toi, Ménésis, j'ai quand même réussi à esquiver ses coups. Donc ça, c'est un gros avantage. J'arrive à savoir comment esquiver ses attaques. Pourquoi elle s'arrête là, je sais pas pourquoi. Alors là, par contre, il faut que je récupère des mines. Ah, il était au sol. Eh, mais c'est pareil, j'ai pas de cartouche. Il était au sol de quelques secondes. Que je récupère ici. Là il va m'attaquer. Là il va m'attaquer. Là je m'en doutais. Voilà, c'est trop tentant là. J'ai pas pris de munitions, j'ai rien pris. Voilà, c'est ça. Là, on est en incendiaire ici. Voilà. Pas bien de m'attaquer comme ça dans le dos. C'est nul. C'est nul. Voilà, alors le temps que je... Je suis sur quoi là? Mais dépêche-toi de recharger. Oh, mais c'est pas vrai. Allez. Dépêche-toi de recharger, je recharge pas. Non. Non, tu me touches pas. Non, j'ai dit, tu me touches pas. Ouf, quel stress. J'ai pas pris les cartouches. Ah, oh, c'est compliqué.
Je tire à côté, mais comment voulez-vous que j'arrive à la voir? Comment voulez-vous que j'arrive à la voir? Ah, mais c'est pas vrai. Il est où là? Il est passé où? Je tire à côté. Ouais, alors là il est faible et je peux pas tirer dessus. C'est dommage, je peux pas tirer dessus, j'ai pas de cartouche pour le pompe. Mais cours, mais pourquoi tu cours pas? Pourquoi tu t'arrêtes? Désolé si je crie un peu, désolé les amis. T'es mort? Il touche pas! Il ne le touche pas! Je vais te dégommer! Dépêche-toi de charger! Tu rigoles! Allez, on se dépêche! C'est mort. C'est pas tellement bon, hein. C'est pas bon du tout, hein. C'est mort. C'est mort. C'est foutu. J'ai même plus de mine. Et pourquoi j'arrive pas à les charger ces... ce cartouche, ce fusil à pompe? Pourquoi j'arrive pas à le charger? C'est fou quand même ça. Cours. Non, j'ai pas de mine. J'ai pas de mine, j'ai pas de mine, j'ai pas de mine, j'ai pas de mine. Je suis roulé. Je peux rien faire. Oh, mais c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Regardez, j'ai même pas de mine. Il va aller au mur là. Oh, c'est trop dur de la voir quand il bouge. Ah ouais, bah non, je peux rien faire. Ah, y'a rien. Voilà, ça c'est fait. Eh ben. J'ai pas chargé. Mais pourquoi ça recharge tout le temps quand tu dois l'utiliser? C'est nul. Regardez, je vais prendre le truc. Eh, pourquoi ça a pas pété? Non, ça va pas. J'arrive pas à viser, c'est infaisable.
C'est infaisable. En mode normal, j'y arriverai pas, hein, je pense pas. C'est... Pour moi, c'est infaisable. Allez, on charge. Papa. Non. Non, c'est pas possible. J'y arriverai pas. Pour moi, je n'y arriverai pas. Ouais, bien sûr. Bien sûr. T'es mort. J'ai pas de soins. Je sais pas où aller. Je sais pas quoi prendre. Ah, je pense que je vais passer en mode facile, j'aurais pas le choix. J'aurais essayé. On aura essayé, tant pis, j'y arrive pas. Hein. Tant pis, on finira ce jeu en mode facile. C'est comme ça, faut vouer à l'échec. Faut pas dire que j'ai pas essayé, regardez, j'ai pas de cartouche, j'ai rien. Ça me paraît improbable. Ça me paraît impossible. Ah ouais, comment? Avec mes doigts, avec mon couteau et mon canif, mon petit fusil à pompe. Et pour moi, c'est impossible. On n'a même pas de munitions. Oh, j'ai même pas de munitions. Oh, je suis mort. On va le faire en facile. Allez, tant pis. On va faire ça en facile. Ah bah non, ça a repris. Et là, il me propose pas le mode facile. Et bah, il est bête ou quoi? Un couteau suisse. Bah en tout cas, bravo pour ceux qui le font en mode hardcore. Hein. Bravo à vous. Hein. Moi, je vous dis chapeau. Hein. Parce que franchement... Puis le problème, c'est qu'on m'a importé des informations qui n'étaient pas bonnes. Donc forcément, mon inventaire, bah, je suis trop limite. J'ai pas de place pour prendre des soins, pour prendre un supplément de cartouche ou autre. Donc voilà, donc je suis... Après, c'est moi, j'ai peut-être oublié d'explorer des pièces aussi. Hein. Ça, c'est possible. Il y a grande chance que ce soit ça. Là. Eh, t'as essayé de m'avoir, hein. C'est pas grave, ça fait une heure que tu me mets au sol. Tu recharges pas. Comment voulez-vous que ça marche? Enfin bref. Voilà. C'est les mines en fait qu'on doit placer au mur, j'arrive pas. Mais je t'ai pas dit d'arrêter de courir. Pourquoi tu arrêtes de courir? Franchement. Il est où? Voilà, j'ai pas de cartouche. Vous voyez, là, le gros problème, c'est que si je voudrais tirer aux pompes, je n'ai aucune cartouche. Et ça, c'est un gros souci. Voilà. Voilà, alors s'il viendra être au sol, bah, je fais comment? Oh, mais c'est pas possible.
Comment je vais faire? Bite! Purée! Plus de cartouche. Plus de mine. Dommage. Dommage. Mine. Mine. Superbe. Va trop vite. Il va trop vite. Bouge. Allez, de l'incendiaire, passe de l'autre côté. Ah, faut le faire courir, mais le problème c'est que j'y arrive pas, quoi. À côté. Tiens, prends ça. Vite. Ah, purée. Oh, l'enfoiré. Comment il m'a eu. Soigne-toi. Oup. Plus de cartouches de... Plus de pompe. Il me reste encore 2 mines et 4 incendiaires. Bon, j'ai encore de la vie. Cours. Attendez, je prends sur ça. Équipé, voilà. Il est où? Ok, va en finir. Il est mort. Hop. Je suis pas persuadé là. Hein. J'ai réussi à l'avoir. Ça m'a mis la visée. Hein. T'es toujours là? Évidemment, il faut que ce truc me lâche maintenant. Il est mort. Après 1h30 de combat. Une heure et demie, il est quelle heure? 19h48. En plus, ça tombe bien. Je me souviendrai de ce combat. Hein. Ah merci Mélésis, encore à toi. Merci beaucoup. Salut Arnaud. Et il fonce sur lui. GG, merci beaucoup. En tout cas, tu m'as bien aidé. Hein. Merci, un grand merci à toi. Tous tes conseils, le fait déjà de se positionner correctement. Se mettre de dos par rapport à lui. Déjà, ça m'a aidé parce qu'au début, j'étais mal placé. Vraiment mal placé. J'ai failli passer le faire en mode facile. Hein.
Faut persévérer, ce qui prouve qu'il faut pas désespérer. Voilà. Ici, voilà. Mais franchement, les personnes qui font ça en hardcore, je voudrais voir ça, moi. Je voudrais le voir en live. Regardez le gros monstre. Eh ben, tu étais à 3ème run, d'accord. Bah, GG. GG Arnaud. Mais bon, moi, je le referai pas. Hein. Je le referai pas en mode normal. Hein. Ah, il est pas mort. Il est pas mort. La grille. Yes. Ah, il va lui manquer des mains. Mais si ça repousse. Merci, Ménésis. Ah, c'est quoi ça? Je vais mourir. Elle va pas se transformer quand même. Tiens, va mon copain. Là, mon pote qui nous a lâchés. Tu m'as rendu un grand merci. Merci à tous. Merci, Johan, Ménésis et les personnes qui m'ont vu un peu dans la galère. Oh, elle est malade du coup. Dans un sens, je suis content de l'avoir fait en mode normal, mais j'ai failli lâcher. Hein. J'étais prêt à le faire en facile. Hein. Jill, j'ai failli lâcher. Parle-moi. Le mode quoi? Et les défis, Daniel, j'ai le droit que. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est pas moi qui vais le faire ça. Jill est infecté. Non, c'est pas. C'est pas du tout pour moi. Le fait de le faire en normal, déjà, c'est un exploit pour moi de le faire. Accroche-toi, surtout ça. Surtout ce genre de jeu-là. Hein. C'est pas un jeu... c'est un petit peu comme du Dark Souls. Hein. Vous allez me mettre sur du Dark Souls. Le Dark Souls 3, j'ai déjà voulu essayer. C'est des très 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 bons jeux, mais je suis pas du tout adapté pour faire ça. Et moi, je dis un grand chapeau, c'est Amenesis 59 qui fait du Dark Souls avec son handicap, franchement bravo à lui. Voilà. Bravo à lui parce que c'est quelqu'un qui a une expérience dans ce jeu-là et il est extraordinaire. Voilà. Trouver ce vaccin. Le mode enfer. Le mode enfer, c'est déjà l'enfer dans le jeu. Hein. Là, j'y ai de souffrir là. Je viens de passer l'enfer là. Là, c'est sûr et certain. Là, je viens de vivre l'enfer. Bah, bon, voilà. Déjà, on va faire une petite sauvegarde. Déjà, c'est sûr que je vais avoir ma sauvegarde. Mais je pense qu'on est loin d'avoir fini. Mais faut pas me le dire. Dites pas si j'ai fini ou pas. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est l'inventaire à Carlos. Bon, on n'a pas rien d'extraordinaire. Elle a l'air de souffrir malheureusement. Le mode enfer. Je viens de le faire là, le mode enfer. C'est ce que je viens de faire. Allez, encore jusque maintenant, je vais arrêter un peu. RL, tu sais où est Bard? Bah, je vais arrêter un peu. Je vais arrêter définitivement. Sois prudent, je suis en route. Je vais stopper pour ce soir. Ça m'a fatigué. Ben, n'hésitez pas à le voir, allez le voir Ménésis 59. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui est également en situation de handicap. Et moi je dis vraiment bravo à lui par rapport à ce qu'il a. Et les jeux qu'il arrive à faire, que ce soit du Dark Souls, il a fait Ori il n'y a pas très longtemps également. Moi Ori j'ai essayé, je me suis dit Ori j'arrive pas. J'ai ma femme qui joue dessus en ce moment. Elle est du fait qu'elle ne travaille pas pour l'instant. Enfin avec ce qui se passe, elle ne travaille plus, voilà. Et du coup, elle profite de jouer sur Ori. D'ailleurs, elle a joué un petit peu dessus. Tout à l'heure, je l'ai regardé. Moi, j'ai dit, c'est même pas la peine que j'essaie de le faire. Hein. Je l'avais downloadé, d'ailleurs. Je l'avais downloadé sur PC. Après, je peux essayer de le faire en mode facile. Voilà. Mais ce Ori est superbe. C'est un très bon jeu. C'est pareil. Hein. C'est les genres de jeux qui... Il veut faire quoi, lui? Il veut sortir. Toi, tu veux sortir? Pourquoi tu veux sortir? Reste avec moi. Alors, la visée. Oh, attendez.
Cette visée est pas terrible. Eh, les bidouettes sont, ça part vite, hein. Eh, ils ont une tête de coriace. C'est des têtes en béton, quoi. Courage pour la suite de l'hôpital. Oh là là, ça veut tout dire. Et le moment... c'est le moment que tu as plus apprécié, d'accord. Mais je suis un peu déçu du remake, tout le monde le dit. Il est très léger, le temps de jeu est pas énorme. Tout le monde m'a... J'ai eu des retombées de ce remake. Il y a eu la grosse déception par rapport au temps de jeu. Quelqu'un qui est habillé... Qui c'est qui crie comme ça là? C'est Carlos? Qu'est-ce qui se passe, Carlos? C'est quoi ça? Tu m'as défoncé la porte, toi. J'ai déjà plus de munitions. What? C'est bio. Hop, 7h30, d'accord. Ouais, mais après, ça reste un bon jeu. Même si j'ai eu mes moments de galère, moi, c'est un jeu que j'apprécie. Hein. Je l'apprécie pour ce genre de défi-là, mais... voilà, c'est... moi, je sais qu'ici, il y a un autre remake qui va sortir, je vais le prendre. Et je suis pas du tout connaisseur des anciens jeux. Les tout premiers Resident Evil, je les ai pas faits, hein, mais pas du tout. Moi, j'ai démarré par le 7. J'ai pas de crochet, superbe. Un brochure de l'hôpital. Le cœur des soins de santé de Raccoon City, leader du progrès scientifique. Alors, l'hôpital Memorial Spencer a été créé par la Fondation de Spencer pour être le centre névralgique des soins médicaux de toute la région. Ah ouais, mais non, mais c'est les gameplays là. Ces personnes qui jouent aux anciens Resident Evil, je vous dis, les gameplays, c'était autre chose. Hein. Ça avait rien à voir. Là, on est beaucoup assisté. Hein, dans du jeu. Là, on est énormément assisté. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'était vraiment du jeu vidéo très, très, très difficile. Hein. Voilà. Même si graphiquement, il n'y avait pas ça, les gameplays étaient très, très compliqués. Hein. Alors, nous sommes fiers de disposer de l'une des plus grandes unités de recherche du pays dans lequel nous conduisons des essais cliniques sur de nouveaux traitements qui révolutionneront la médecine à travers les États-Unis et le monde. Durée 30 heures. Alors, le temps de jeu, c'est pas le point noir. Ah, d'accord. C'est quand t'es habité au Resident Evil, c'est le temps de jeu normal, moi. Ah, d'accord. Ce qui m'a gêné, c'est qu'il manque des moments... clés et des moments mythiques. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, parce que tu connais très 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 bien le Resident Evil 3 d'origine, pas le remake. Et ouais, voilà, c'est ça à peu près ça. Hein. C'est par rapport à comparaison de ça, tu trouves qu'il y a des choses qui n'ont pas été mis à l'intérieur pour que ça fasse un bon remake. Voilà, je pense que c'est ça, tu veux dire. Voilà, donc c'est pour ça que moi, mon avis... reste vraiment aléatoire. Voilà, c'est surtout ça. Parce que je ne suis pas du tout, comme j'ai déjà dit, un grand spécialiste de cette licence. Mais moi, je l'apprécie. Je l'apprécie même si j'ai souffert. Si j'ai eu mes moments de souffrance, forcément. Est-ce qu'on peut combiner avec ça ou pas? Non. On peut pas combiner, d'accord. Bon, c'est pas grave. Resident Evil Médésis, on dit. D'accord. RO3 de 89. En 4 heures, il se plie. D'accord. Quand tu le connais par cœur. Voilà, quand tu le fais plusieurs fois, tu le fais en 4 heures. Ok. Et c'est bien, il s'est bien vendu, hein, le Resident Evil 3. Hein. Enfin, le remake ou le Médésis, je sais pas comment on peut l'appeler. On peut l'appeler exactement. On dirait que c'est le même zombie que tout à l'heure, non?
Ben, j'ai l'impression que le pistolet est beaucoup plus efficace que mon fusil d'assaut. C'est fou ça. On y va. Ah, j'y vais, mais peut-être si j'ai pas de sauvegarde, on refera tout. Hein. Voilà. Allez, on va aller dans les couloirs. J'ai rien pour crocheter. Pas de crochet. Bon, bah, ça, on verra plus tard. C'est pas l'équipement, malheureusement, de... J'ai oublié le nom de la fille qui vient d'en prendre, qui vient de prendre cher. C'est quoi? C'est Jill? C'est ça son nom? Prénom, c'est Jill? Ouais, je sais plus. Faut le faire, j'oublie. Je sais que Carlos, c'est un prénom que je vais retenir facilement. Voilà. Ça, c'est sûr. Et la petite statuette. Ah, en fait, cette statuette, elle sert à quoi? Est-ce qu'on peut me dire à quoi ça sert? Parce que dans le 2, il y avait également ces petites statuettes. Mais je m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'on peut, on peut faire exactement avec ça? L'horloge, ça me manque. Jill, c'est ça. Jill Belfast. Après, j'apprécie en tant que fan, forcément. Mais j'ai eu l'impression de jouer à un DLC. Ouais, d'accord. Ouais, moi aussi. Parce qu'il y a un moment, tu retournes dans le commissariat. Je me suis dit, bah tiens, on retourne sur le 2. C'est vrai, j'ai cru qu'il y a un moment qu'on allait rester tout le temps dans ce commissariat-là. Hein. Je me suis dit... C'est bizarre, hein. Est-ce que tout va se passer là? Mais effectivement, après, ça a changé. Donc, mais au début, je me suis dit, si c'est ça, je serais déçu. Enfin, déçu sans apporter une critique. Moi, j'aime pas critiquer les jeux. J'apporte mon avis, mais c'est un avis dérisoire. C'est un avis qu'il faut pas, il faut pas tenir compte. Il faut pas tenir compte de mon avis, parce que, étant débutant dans ce genre de licence, je pense que je suis mal placé pour apporter un avis définitif. Voilà. Tu les trouves à 20... Tu les trouves à 20 euros. D'accord. Il faut trouver les 20. Ah, d'accord. Non, 20 euros, c'est pas ça. Tu me parles, Manizy. Désolé, c'est la fatigue. C'est sur les petites statuettes, il y en a 20 à trouver. C'est ça. Voilà. D'accord. Écoutez, cette ambiance sonore. Cette ambiance sonore est vraiment pas mal. Après, je suis un peu tête en l'air aussi. J'ai peut-être oublié des éléments ou des pièces. Voilà, j'avoue que là, je vais me perdre, hein. Ah, c'est le genre de truc où je vais me perdre, c'est sûr. Là, on a un cadenas, mais j'ai pas les crochets. Voilà. Je vais arrêter les 20h01. Alors, est-ce qu'il faut pas mettre ça? Est-ce qu'il faut le combiner avec ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, attendez. Docteur Barnes, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. C'est utilisé ou bien? Non, même pas. Alors, c'est pas ça. Ici, on peut déjà combiner avec ça. Non plus. Bon, mais c'est pas grave, on va l'utiliser. Je suis perdu, c'est la fatigue, ça. Voix non identifiée. Ah. Dans un film de SF ou quoi? Voix non identifiée, alors il faut que je fasse avec ça. Ou combiner. Non, pas combiner. Utiliser. Non, c'est pas ça, c'est pas grave, c'est pas le bon magnéto à mon avis. Voilà, garvoyer, là j'ai encore oublié une note. Je les ai trouvés à 20, GG Arnaud. T'as pas la cassette? Ah oui, ah, forcément, pas de cassette, pas de son. Hein. Pas de son, logique. Je n'ai pas capté qu'il y avait une cassette à mettre. Alors, chaque jour on reçoit des nouveaux patients atteints de ce mystérieuse maladie. Les sédatifs ne suffisent pas à calmer leur délire. Alors, nous avons un recours au camisole de force. Pour les déplacer vers l'aile d'isolement, le problème, c'est que l'aile d'isolement est complètement saturée. Le directeur nous a ordonné de prendre en charge gratuitement toute personne présentant les symptômes. Mais j'espère que nous fassions... Bon, enfin bref, leur souhaiter d'aller mieux. Voilà. Bon là, il est temps que j'arrête. Et franchement, les temps que j'arrête, j'ai du mal à lire. Voilà, je voulais plus le reste parce que ça va être horrible. Ouais, non, mais là, ça m'a usé ce petit combat là qui a duré des heures et des heures. On va stopper, c'est simple, on va stopper. Je vais essayer de voir pour peut-être repartir là. Bon, de toute façon, je vais reprendre là, c'est pas grave. C'est pas grave, on va reprendre là si j'arrête. Où il y a la machine à écrire. Voilà, je vais vous laisser. Ah bah franchement, j'ai passé un bon moment. Oh, il y a un peu de drop en plus. Il y a un petit peu de perte d'image. La connexion commence à délirer.
Encore un grand merci à tous. J'espère que le live vous a plu quand même, même si on n'était pas très nombreux. Bah moi, comme d'habitude, je me suis éclaté. Hein, voilà. J'ai perdu encore une fois des cheveux. Voilà. Mais voilà, j'apprécie le jeu. Même si il y a un moment, j'ai failli... je vais pas dire tout arrêter, mais changer de passer en facile. Mais voilà, faut pas baisser les bras, faut tenir le coup. Les conseils qui m'ont été apportés, ben un grand merci encore une fois. Voilà, ça m'a énormément aidé de l'affronter parce que je suis pas persuadé que si j'avais pas eu cette aide-là, je pense que j'y serais pas arrivé. Pour moi, j'y serais pas arrivé du tout. Voilà, avec tous les conseils qu'on m'a apportés, ça a été, allez, on va dire, 60% de réussite dans ce combat-là, on va dire. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse. Hein. Bonne soirée à tous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Hein, c'est important, surtout en ce moment. Et puis, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Continuez à bien vous éclater sur ce Resident Evil. Et puis, bah, certainement, demain, on continuera... à souffrir sur ce jeu. Voilà. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bisous, bisous. Voilà, il faut que je trouve la touche pour changer de scène, de fin. Voilà. Allez, bisous. À bientôt. Bisous. Bisous. Bye bye. À la revoyure.